Bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV. Nous sommes à notre 18e numéro de votre émission Saine Éducation, présentée par votre ami Thierry Nongom. Aujourd'hui, nous avons notre invité, M. Sané, professeur d'histoire et de géographie. Professeur, bonjour. Bonjour. Donc, nous vous laissons le temps de saluer les élèves qui vous suivent. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la RMB TV. Aujourd'hui, nous sommes là tout simplement pour vous présenter le thème portant sur la guerre fraîche et la fin de la guerre à partir de 1975 jusqu'aux années 1991. D'accord, donc avant tout d'abord nous allons passer à la régie pour passer nos salutations à l'ensemble du personnel de la RMB TV, à l'occurrence le directeur général Cherno Laurent Mede et l'ensemble aussi des caméramans et tous ceux qui nous suivent à part de cette chaîne. Donc nous laissons avec le professeur pour bien mener son explication. Très bien. Alors, en 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale s'achève, deux superpuissances, en l'occurrence les États-Unis et l'URSS, se retrouvent du côté des vainqueurs. Malgré les mesures de règlement du conflit, avec la mise sur pied de l'Organisation des Nations Unies, l'espoir qui semblait renaître pour la paix et la sécurité internationale va vite s'estomper. En effet, les deux nouvelles puissances vont basculer dans une nouvelle tension idéologique plus connue sous l'appellation de guerre froide. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est tout simplement, nous sommes dans la continuité, en grand 3, la guerre fraîche et la fin de la guerre à partir des années 1975 jusqu'aux années 1991. Cette partie va être divisée en deux sous-parties, dont la première partie va porter sur la guerre fraîche qui s'est déroulée dans la fourchette des années 1975 jusqu'aux années 1985. Et cette partie va comporter aussi des sous-parties, notamment les causes, les manifestations et éventuellement les conséquences. Une deuxième partie qui va aussi porter sur la guerre fraîche, la fin de la guerre plutôt, à partir des années 1985 jusqu'aux années 1990. Cette partie aussi, comme la première, va comporter des sous-parties. Définition, en petit a, petit b, les causes, petit c, les manifestations encore appelées déroulements, mais aussi les conséquences. Donc, c'est ça notre plan d'aujourd'hui. Revenons maintenant sur la première partie. La guerre fraîche de 1960 jusqu'aux années 1985. Dans cette partie, nous allons mettre l'accent sur les tensions périphériques dans les pays du tiers-monde. Alors, qu'est-ce que la guerre fraîche? Par définition, la guerre fraîche est la période des relations Est-Ouest allant de 1975 aux années 1985. Cette période est caractérisée donc par la reprise des tensions
à la place donc du dialogue qui a prévalu pendant la période de la détente. Je rappelle, cette période a été donc développée le mardi passé. C'est pour cette raison, aujourd'hui, dans la continuité, nous sommes donc dans cette partie. Alors, la guerre fraîche étant définie de la sorte, nous allons nous atteler sur les manifestations. Comment la guerre fraîche s'est déroulée, c'est-à-dire le déroulement de la guerre fraîche. D'abord, globalement, nous pouvons retenir quatre points fondamentaux. La première des choses, la fragilisation. La fragilisation des blocs. Par le premier choc pétrolier. Chacune des deux puissances voudrait garder intacte sa zone d'influence. Les États-Unis, donc, États-Unis, fragilisés par l'affaire du Watergate. Troisième manifestation, la percée soviétique au Cambodge. En Afrique, au Nicaragua, etc., etc. Mais il faudra retenir qu'en cette période, l'URSS a pris un devant par rapport aux États-Unis dans la fabrication des engins, en l'occurrence les chars de combat, les avions, les mitrailleuses, ce qui va pousser les Américains de bien pouvoir donc afficher la volonté de reprendre du poil donc comprenez éventuellement poil dressé par l'URSS. Mais, partant de cette partie, à partir des années 1975, profitant de l'affaiblissement du camp ou bloc occidental, l'URSS va profiter
De manière successive, avec le premier choc dont je vous ai parlé tout à l'heure, choc pétrolier, mais aussi l'échec américain qui a été livré par l'URSS, notamment dans le Vietnam, l'URSS va devoir profiter de l'occasion pour pouvoir pousser ses pions dans l'échiquier international. Alors, à partir de ce moment, des tensions vont être repérées à travers le monde, particulièrement en Asie, donc du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, l'URSS va intervenir à partir des années 1979 en Afghanistan pour secourir le régime communiste de Kaboul qui a été installé depuis des années 1978. Alors, essayer de combattre par les moujahidines du peuple du commandant Massoud. Ensuite, les soviétiques vont faire une percée inquiétante dans le Moyen-Orient en soutenant la révolution iranienne. Nous savons tous, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'institution l'AOIA, Agence internationale de l'énergie atomique, avec une observation scientifique, compte tenu des arguments qui étaient livrés à Hiroshima et à Nagasaki, cette institution a tenu à limiter l'obtention des engins de haute portée, et d'ailleurs qui continuent à faire des dégâts au Japon. Donc, ici, la révolution iranienne de l'imam Khomeini contre les États-Unis. Et ça, c'est en Asie du Sud-Est. En Asie, éventuellement, centrale, l'URSS aussi, avec le communisme qui se répand particulièrement à partir de la défaite au Vietnam, le communisme va se ramifier et occuper le Vietnam, le Laos et éventuellement le Cambodge. Ces lieux vont être donc occupés par l'URSS qui d'ailleurs va profiter du départ des États-Unis pour à implanter des bases éventuellement navales. Les manifestations de la guerre fraîche vont continuer leur chemin. Je parlais tout à l'heure de l'Asie, donc du Sud-Est, de l'Asie centrale, mais aussi ces ramifications vont toucher l'Amérique latine. En Amérique latine, l'URSS et Cuba prennent la décision de soutenir donc la prise du pouvoir des mouvements révolutionnaires, particulièrement les Sandinistes. Ces Sandinistes, au Nicaragua, à partir de quelle année? À partir des années 1979. Alors, les guérillas au niveau du Guatemala vont être aussi soutenus par ce couple américano-cubain. Alors, devant cette situation qui continue à se ramifier à travers le monde, qu'en est-il de l'Afrique? L'Afrique aussi va être touchée, particulièrement l'Éthiopie,
le Kenya, éventuellement le Bénin et les colonies d'Angola et éventuellement du Mozambique se réclament du communisme demandant le soutien matériel de l'URSS et éventuellement de Cuba. D'ailleurs, l'Angola et le Mozambique, en guerre contre le Portugal, nous sommes aussi en ce moment précis de la décolonisation. Mm-hmm. Peut-être nous aurons le temps d'y revenir. Oui, inshallah. L'Angola et le Mozambique, en guerre contre le Portugal, qui ont réussi à bénéficier du soutien matériel, donc du couple cubain et URSS. Devant la situation qui perdure, alors sur ce point de vue, les États-Unis dénoncent aussitôt un arc de crise qui viserait à couper l'Occident de son approvisionnement donc pétrolier au niveau du Golfe Persique. Merci. Et là maintenant, on va arriver à ce qu'on pourrait qualifier à partir des années 1981. Nous sommes toujours dans la fourchette de 1975 jusqu'aux années 1985, ici. À partir de 1981, l'arrivée à la présidence américaine de Ronald Reagan, qui a remplacé éventuellement Jimmy Carter, va changer la physionomie donc politique des relations internationales. Qu'a-t-il fait Ronald Reagan? Eh bien, il considère que les États-Unis doivent rester forts. Et pour pouvoir y arriver, il faudra donc utiliser une autre donne qu'on pourrait appeler the big stick, c'est-à-dire le gros bâton. C'est une politique qu'a entreprise éventuellement Ronald Reagan, qui consiste au retour de la force dans les affaires internationales. Oui. Il faudra utiliser la force pour pouvoir, tout à l'heure je disais, reprendre les poils de la bête. Je disais que l'URSS avait devancé du point de vue de la fabrication des armes, donc les États-Unis. Et les États-Unis s'affichent la possibilité de pouvoir reprendre sa place qu'ils considèrent comme éventuellement donc la meilleure. La meilleure, oui. Alors, pour pouvoir y parvenir, il faudra utiliser la force. Mais pendant cette période, au niveau de l'Amérique latine, les États-Unis, tout en se retenant d'intervenir directement, vont devoir donc afficher une autre tournure de la politique. Aider financièrement et matériellement tous les pays qui se sont alignés derrière l'URSS. Une manière de reprendre leur confiance. Et sur ce point, qu'en est-il de l'Afrique? L'Afrique n'est pas restée donc laissée en rade. Les Américains vont devoir, concernant l'Afrique, utiliser l'arme alimentaire, the food power, pour pouvoir gagner la confiance des Africains, qui consiste donc à fournir des aides économiques aux pays et aux populations du continent africain. Mmh.
Et là, ils ont réussi. Reagan ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il va toujours continuer sa politique, donc de gagner la confiance des populations, qui qu'elles soient du côté de l'URSS comme du côté des Américains, mais toujours est-il que manifester sa volonté de devenir la puissance mondiale incontestable. Alors, Reagan demande au Congrès américain d'accroître le budget de la NASA. Dans cette perspective, alors, d'effectuer les projets du missile, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'URSS a pris un devant. Donc, d'effectuer le projet du missile appelé donc MX. MX pour tout simplement compromettre les SS-20 de l'URSS. SS-20 donc de l'URSS. Alors, sur ce point toujours, mais aussi ils vont mettre l'accent sur le B1, le bombardier. B1 et de l'équipement de la flotte sous-marine en fusée appelée Sardine. Reagan, dans cette perspective toujours, va devoir décider afin d'implanter en Europe occidentale un fusée appelé Pershing. Alors, c'est sous cet aspect que nous allons éventuellement arriver à ce qu'on appelle les conséquences donc de la guerre fraîche déroulée dans la fourchette de 1975 jusqu'aux années 1980-85. Alors, comme conséquence, il faudra retenir qu'à partir de ce moment, nous allons assister à un retour de la bipolarité, une baisse des tensions. Dans la guerre fraîche, avec les tensions qui sont repérées à travers le monde, on va assister encore donc à la formation des deux blocs encore. C'est pourquoi là, bipolaire, bip, cela veut dire deux. La bip nationale. Et là, ça va nous permettre maintenant d'arriver sur le petit 2, donc qui va porter sur éventuellement la fin de la guerre. Guerre froide et qui s'est déroulée aussi dans la fourchette des années 1985 aux années 1991. Oui. D'accord. Donc, vous avez parlé des manifestations de la guerre fraîche. Vous avez parlé aussi des conséquences. Est-ce que vous pouvez récapituler ce que vous avez expliqué pour faire la différence entre manifestations et conséquences, pour permettre à ceux qui vous suivent de comprendre ce que vous avez déjà parlé? Alors, la différence entre manifestation et conséquence. D'abord, manifestation égale déroulement. Déroulement. C'est-à-dire ramification, élargissement. Oui. Et les conséquences, là, c'est très important. Parler de conséquences, les conséquences, quand on parle de conséquences, il faudra retenir deux aspects. Oui. C'est-à-dire l'aspect positif et l'aspect négatif. Négatif. C'est ce qui les différencie. Oui. D'accord. Oui. Donc vous pouvez passer au petit 2, la fin de la guerre froide de 1985 à 1991. Voilà, nous arrivons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire le petit 2, après que nous ayons donc débattu sur la première partie qui, au passage, la guerre fraîche de 1975 aux années 1985, sur
cette période, on a mis l'accent sur éventuellement les tensions périphériques, particulièrement dans les pays du tiers-monde. Oui. Et là maintenant, on revient sur la fin de la guerre froide qui s'est échelonnée de 1985 aux années 1991. Alors, dans cette partie, il faudra aussi savoir qu'est-ce qu'on entend par fin de la guerre froide. On entend par fin de la guerre froide par tout simplement la période des relations Est-Ouest allant de 1985 aux années 1991, et qui est aussi caractérisé par un rebondissement, mais particulièrement tamponné par éventuellement une compréhension mutuelle. Oui. Parce qu'en ce moment précis de l'histoire, les deux puissances vont donc être dans des difficultés, particulièrement donc les États-Unis et l'URSS. Mais bien avant qu'on en arrive ici, permettez-moi, puisque la guerre fraîche de 1975 à 1985, nous devons impérativement parler de 1985. 85, oui. Qu'en est-il de cette année 1985? Alors, à partir des années 1985, les choses vont alors s'accélérer, éventuellement dans les relations internationales, particulièrement dans le camp soviétique, c'est-à-dire en URSS. Gorbatchev, arrivé au pouvoir, va entreprendre éventuellement un vaste programme de réforme politique et économique appelé la perestroïka. La perestroïka, appelée, qui signifie éventuellement restructuration, mais aussi une autre politique appelée glasnost, c'est-à-dire la transparence. Transparence. La transparence. Mais il va se passer des choses inattendues. Parce que tout simplement, les deux blocs étant dans des difficultés, des crises, les États-Unis seront confrontés à des problèmes donc budgétaires. L'URSS sera aussi confronté à un échec économique combiné éventuellement de l'absence de liberté et qui va donner donc naissance aux contestations. Contestation dans différents points d'Europe qui vont conduire aux revendications d'indépendance des républiques. Cela signifie tout simplement que la perestroïka et le glasnost, donc, ont été voués à l'échec. L'URSS se retrouve dans l'obligation de retirer, donc, se retirer de l'Afghanistan et éventuellement, à partir des années 1989, plus précisément le 9 novembre 1989, le mur de Berlin qui avait symbolisé l'Allemagne, divisant l'Allemagne en deux parties, la RDA, République démocratique allemande, qui a été occupée par l'URSS à l'est et à l'ouest, donc la RFA, République fédérale allemande, occupée par les États-Unis.
Alors ce mur va donc être détruit et éventuellement le 9 novembre 1989. Alors, à partir de ce moment, on se voit dans l'obligation. Les conséquences sont énormes. Énorme. Particulièrement la fin des démocraties populaires, avec la chute du mur de Berlin, la RFA et la RDA sont réunies. C'est la réunification, donc, de la RDA et de la RFA. RFA. Le 3 octobre 1990. 90. Mais, devant ces pays baltiques, les pays de l'Europe du Nord-Est, qui avaient affiché leur volonté parce qu'ils n'affichaient plus un respect à l'égard de l'URSS. Et veulent accéder à l'indépendance. Cette situation va davantage affaiblir le bloc de l'Est. Et d'ailleurs, qui s'est fragilisé, donc, entraînant à partir des années 1991 la dislocation de l'URSS. Et cette dislocation de l'URSS va entraîner le monde qui était un monde bipolaire, un monde unipolaire, dans lequel la seule puissance politique, économique, diplomatique, ce sont les États-Unis. Mais les États-Unis devenant superpuissance. Dans la même année, c'est-à-dire 1991, s'est déroulée la guerre du Golfe. Et c'est de là que le monde historique va parler éventuellement du nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial aujourd'hui encore est remis en cause avec l'absence de possibilité d'éradiquer complètement cette maladie appelée Covid-19. Voilà. Oui, voilà l'explication. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que la nouvelle ordre mondial dont ils vont essayer de mettre en place, est-ce que cela est entré en vigueur jusqu'à présent? Non, présentement, le nouvel ordre mondial qui a existé au lendemain de 1991, qui existe jusqu'à présent. Maintenant, nous allons devoir attendre la suite, ce que cela va donner, donc après le Covid-19. C'est-à-dire la communauté internationale avec le système capitaliste. Chacun a la possibilité de trouver des moyens tout en cherchant à ne pas compromettre la liberté d'autrui. D'accord. Aujourd'hui, les pays capitalistes sont en train d'épouser le modèle socialiste, c'est-à-dire le fédéralisme. Fédéralisme. Le fait, donc, d'aider, s'entraider plutôt. Oui. Entre les puissances. Les puissances faibles aident les puissances développées. Oui. Les puissances développées aident les puissances donc faibles. Faible. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, et qu'on soit riche ou pas, oui, nous sommes dans le même bateau. Et il est important de mettre encore sur pied un nouvel ordre mondial que, dans lequel tout le monde serait concerné. D'accord. Donc, je crois que l'explication est bien détaillée. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu de comparaison par rapport aux cours différents que vous avez faits sur la guerre froide d'une manière générale? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au numéro 3.
Et précédemment, on a fait le numéro 1 et le numéro 2. Voilà, très bien. Revenir sur une récapitulation. Récapitulation de ce qui a été dit depuis très longtemps. D'ailleurs, je crois que nous sommes en histoire-géographie à notre troisième leçon. Séance. Mm-hmm. Et il faudra comprendre avec la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, il y a eu la formation de deux blocs. D'abord, les États-Unis, l'URSS, la France, le Royaume-Uni, encore appelé Grande-Bretagne. Ont formé un bloc pour faire face à l'élément commanditaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale qui est l'Allemagne avec Hitler. Avec Hitler, d'accord. À partir des années 1941, qui correspond à la Charte de l'Atlantique, les quatre pays précédemment cités vont créer la Grande Alliance. La Seconde Guerre mondiale va durer six années. Au terme, éventuellement, la communauté internationale va jeter les bases de la création de l'Organisation des Nations Unies. Devant remplacer la SDN, la Société des Nations. Donc, qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, à partir des années 1919. D'autant plus que cette SDN n'a pas réussi à empêcher à ce qu'une deuxième guerre mondiale ne puisse éclater, éventuellement, elle a été remplacée en 1945 par l'ONU. Alors, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS, qui a eu à travailler en tandem, en collaboration avec les États-Unis, d'autant plus que son armée rouge a eu à libérer les pays de l'Europe de l'Est qui étaient opprimés par l'Allemagne, affiche sa volonté de diriger le monde de l'après-guerre. Les États-Unis, donc, informés de la situation, après une observation scientifique, va essayer aussi de défendre son modèle économique. Parlant du modèle économique, les États-Unis sont donc capitalistes, libéralistes, alors que l'URSS est communiste, socialiste. Alors, ces deux puissances n'ont pas les mêmes points de vue économiques et politiques. Et du coup, ne sont pas conciliables. Cela veut dire tout simplement, elles vont se rivaliser. Cette rivalité va être consommée à partir des années 1947. En 1947, les relations qui lient les deux puissances vont définitivement être coupées. Autrement dit, les États-Unis et l'URSS se divorcent.
Ceci va faire de telle sorte que l'enthousiasme qui devait naître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ne va pas connaître une longue durée. En effet, la Grande Alliance ne va pas réussir à survivre aux tensions idéologiques qui opposent les États-Unis et l'URSS, des tensions qui vont se ramifier dans le monde au point de diviser ce dernier en deux camps antagonistes. L'Est et l'Ouest vont marquer les relations internationales de l'après-guerre mondiale jusqu'aux années 1991. Alors, à partir de la première partie, appelée la première guerre froide, beaucoup de choses se sont déroulées. Et là, peut-être, on aura le temps de revenir là-dessus. Inch'Allah. On a eu à parler de la détente. Et là, présentement, nous sommes sur la guerre fraîche. La guerre fraîche. Qui va clôturer cette partie, donc appelée guerre froide. Guerre froide. Ok, on aura le temps d'en revenir sur la crise, sur la guerre froide, la détente et en plus sur la guerre fraîche. Donc je crois que l'essentiel a été dit et votre dernier mot s'il vous plaît professeur. Alors je tiens à remercier encore particulièrement vous qui êtes là et aussi aux différents auditeurs et auditrices de la RMB TV et saluer en même temps les parents qui nous suivent un peu partout et dire aux élèves de se concentrer car quelle que soit la situation, le bac aura lieu. Quelle que soit la situation, le BFM aura lieu. Donc qu'ils se mettent au travail, qu'ils réduisent le maximum possible leur mobilité et consacrent leur temps dans les apprentissages, donc à la maison. Je vous remercie tous. D'accord. Chers élèves, voilà l'appel que le professeur a fait de se concentrer puisque bientôt les examens auront lieu, Inch'Allah. Et tant aussi, nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. Je crois bien qu'on a philosophe avec le professeur Moshe Drame. Donc nous ne pouvons pas terminer sans remercier ceux qui sont là, ceux qui nous soutiennent. À savoir, M. Bodian, professeur de français, est là parmi nous toujours. Il y a aussi ces professeurs qui ne sont pas là, mais qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous leur disons merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.